Et que tout le monde est bienvenu YouTube pour la rediff de ce live Twitch sur le Not So Berry. Tu penses que je peux suivre même si j'ai pas vu les épisodes précédents? Ah, je suis pas sûre si Anana, c'est que là on est à cheval sur la génération 2 et 3. Entre la rouge et la jaune, vu que l'héritier qui est la jaune, je sais pas si tu connais un peu le Not So Berry. Il vient de devenir adolescent la dernière fois, donc c'est vrai que je vais pouvoir commencer à faire des trucs avec lui, préparer le terrain pour la prochaine génération. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais mettre les règles, parce que sinon je vais... Voilà. Une fois que je les aurai intégrées, ce sera facile, hein. Mais là, on va essayer de... Que Bordeaux, qui est donc génération rouge, finisse ça, son bordel, là. Comment ça s'appelle? Carrière politique, puisqu'on est au niveau 9 sur 10. Je connais pas du tout cette challenge justement. Ah! Ah oui! Tu connais pas le Not So Berry! Parce qu'en fait, il est très connu, c'est pour ça. J'étais partie sur le truc que tu que t'allais connaître. Je vais t'envoyer le lien sur le Twitch. C'est les règles. Et là, je suis du coup entre la génération 2 et la génération 3. Donc en fait, c'est une sorte de legacy. Qui se joue par couleur en fait. On a commencé par la génération Mante, qui était Pepper, elle a eu deux enfants, une fille et un garçon. Et ça a été donc Bordeaux, qui est donc couleur rouge, c'est la génération, tout le monde était en rouge. Et l'enfant doit être couleur jaune, donc là où tu as Pulco. Alors bien sûr, c'est des noms qui ont. C'est les noms de mes abonnés. Ils ont proposé et j'ai fait voter et voilà, c'est eux qui ont choisi. Hein. Donc si les prénoms ils sont bizarres, c'est pas ma faute. Mais en gros, tu dois avoir des objectifs à atteindre pour chaque génération. Et là, pour Bordeaux, donc génération rouge, ouais, mon petit coco, tu vas aller dormir. Tu dois atteindre par exemple le niveau 10 de la carrière politique et je suis au niveau 9. Et il me reste que ça à accomplir pour lui. Et la dernière chose, c'est il faut que j'attende qu'il soit personne âgée pour pouvoir qu'il se marie avec quelqu'un. Alors on ne sait pas encore qui, on verra bien au moment où on arrivera. Vu qu'il vieillit dans 21 jours, je vais avoir le temps de me consacrer à son fils. Et Pulco, lui, il doit faire quoi? Du coup, je vais regarder les règles. Pulco, la génération jaune. Alors, l'aspiration, cerveau exceptionnel, il doit être maladroit, ambitieux, solitaire, carrière astronaute. Les règles, maximum de la compétence fuséologie et bricolage. Youpi. Compléter l'aspiration, cerveau exceptionnel, maximum de la carrière astronaute, construire une fusée avec toutes les améliorations et aller sur Six Sam. Entrer dans le lot secret d'Oasis Springs nécessite 10 en bricolage, ne pas avoir d'autres amis que ses grands-parents, génération 1 avant la mort. Donc ça a déjà été fait, puisque de toute façon, ils ne sont plus là. Donc je ne peux plus rien faire d'autre. Et maintenant, bah, je dois faire le bricolage et fusiologie, le cerveau exceptionnel. Et bah, je pense que c'est bien, on va pouvoir commencer. Je vais pouvoir lui acheter un petit établi. Voilà, on va virer ses conneries pour enfants, là. Et puis on va lui acheter ce qu'il faut pour lui travailler, quoi. Bon, allez, on va les mettre dans l'inventaire, histoire de ne pas les perdre si on en a besoin. Si un jour, et un jour, il aura des enfants, mais... Voilà quoi. Bon, je vais rester quand même. Ok. Fulco est devenu ado, ça passe vite. Eh oui! Eh oui, il est déjà devenu grand, un grand adolescent. Bon, il doit bosser sur son physique, hein. J'avoue que c'est pas un canon de beauté pour l'instant. Il est un peu mal gaulé. Ça, c'est la faute de Marie. Ça a l'air sympa comme challenge. Ouais, il est hyper connu en fait. C'est une Sims, n'importe quoi. C'est une youtubeuse, une streameuse très connue. C'est Lil Simsy qui l'a inventé avec une de ses, une autre que je connais pas là comme ça, que j'arrive pas à me souvenir qui c'est. Bon, j'arrive pas à trouver. Et c'est elle qui l'a créé en fait. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Je pensais pas un jour le faire, hein, donc pour vous dire. Eh ben, on va commencer à acheter ce qu'il faut pour la fusée. Fusée, fusée! Alors, si j'écris pas. Fusée. Donc, ça. 5 000 simflouzes. On est large, nous! On a de l'argent! Alors, ça, pareil, je vais le. Hop, hein. On va mettre ça. Comment je vais faire? On va mettre ça comme ça. Après, j'avais pensé à un truc pour justement avec la fusée. Ouais, c'est bien au bout du jardin comme ça, va pas nous casser les pieds, hein.
Voilà. C'est vrai que ce truc... bon, je vais le mettre là. Voilà. Ok! Bon, on a déjà de quoi faire pour faire bosser Pulco. Cerveau exceptionnel. Par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire? Finir de lire 3 livres et atteindre 3 dans les compétences logiques. Ah, mais j'espère qu'il va pas falloir maîtriser la logique parce que ça va nous faire 3 trucs à faire. Hein. Si. Il va falloir aussi maîtriser la logique pour cette aspiration. Ça doit faire donc 3 compétences à compléter au niveau 10 pour Pulco. Ça va être chiant, ça va être compliqué. Mais couche-toi, mon chou. Fais dodo. T'es fatigué, il y a 5 heures du matin. Après, tu iras en cours si tu veux. Ça a l'air sympa. Ah oui, pardon, j'avais déjà vu. Oh. Alors, qui est là? Il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je mettrai la rediff. Pareil, le live d'hier, je l'ai mis en rediff sur YouTube. J'ai coupé au moins les temps de chargement parce que je me dis comme ça, il galère un peu moins. Mais c'est vrai que j'ai pas fait plus parce que j'avais pas le temps. Vu que 2 heures, je devais me taper 2 heures de live que je venais de faire pour faire un montage. Sachant que j'ai suivi un stream, la fin d'un stream, plus un autre stream derrière. Bon, puis j'avais envie de m'aller dans mon lit, quoi, et de regarder une série et pas de passer ma nuit devant mon montage. Donc voilà, j'ai vraiment fait pas grand-chose, quoi. Surtout l'export qui a duré 10 ans aussi. Ça m'a gavé un petit peu, mais bon, c'est le jeu. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais qu'est-ce que tu vas manger? Dors! Mec, il est bête, celui-là. Je comprends, hein, t'es... Voilà. Alors, on va travailler depuis la maison, évidemment. Patron de Bordeaux, 1849 Simflous. Qu'est-ce qu'on va faire? Discuter des centres d'intérêt, réaliser une œuvre de street art politique. Bon, bah, ça veut dire qu'il va falloir aller encore une fois en ville. Quoique non. Non, 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 je vais le mettre dans le jardin. Ça, je l'ai fait dans le Decades. J'ai ajouté le truc là. Bah, du coup, je sais plus du tout. Je pense que ça doit être... Enfin, je sais plus comment je l'avais trouvé, mais... Œuvre de street art. Alors... Mince, comment j'avais fait pour le trouver, ce truc là? Mince, je sais plus du tout comment j'avais fait ce que j'avais cherché dans les trucs comme ça. C'est possible, hein. Oui, c'est ça! Peinture sur le sol. Bah voilà, c'est très bien. On va le mettre là. Heureusement qu'on avait de la place dans le terrain parce que ça commence à faire petit, hein. Pulco citron. Alors, mon chou. T'as pas fait tes devoirs. Et tu vas en cours ou pas? Non, il va pas en cours, monsieur mignon, chat. Allez, bah tu peux manger et aller aux toilettes. Tu fais ta vie. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'es saoulé de la vie déjà? Mais il était à peine ado. Ouais, t'es mal barré. Et puis alors, on a vachement des trucs à faire avec toi. Hein. Donc, j'espère que tu vas t'en remettre. Ah, oh, c'est dégueulasse, la maison! J'avais pas fait attention. Mais non, mais tu vas manger ce truc-là parce que il est encore. Ah, punaise, il va plus être bon. Attendez, je mets dans le frigo. Je vais essayer de sauver le peu qui reste à manger de mangeable. Et c'est le seul truc qui restait en plus. Tadadadu! Allez, tu vas pouvoir manger ça après. Qu'est-ce que quoi? Mais. Ah non, je le confonds, lui, j'allais dire, mais c'est pas le réparateur. Mais non, c'est pas le réparateur. Le réparateur, il a presque la même coupe de cheveux, mais c'est pas le même. Si tu vas y arriver. Ah oui, je pense, oui, il doit les maîtriser avant de devenir jeune adulte. Non, non, si un nana, c'est sur toute la durée de sa vie, en fait. Tu dois compléter tout ça avant qu'il meure. Donc après, si tu vas vite, bah c'est bien, parce que tu veux dire que tu peux passer à autre chose. Sinon, bah tu continues. Tu fais ce que tu peux, quoi. Mais là, du coup, comme j'ai le temps et que j'ai pas grand... vu que Bordeaux, pardon, j'ai pas mal avancé. Il va me faire la vaisselle, mais qu'il est mignon. J'ai pas mal avancé. Du coup, j'ai plus grand-chose à lui faire faire. J'aurai le temps de m'occuper de Pulco. Maintenant, mais par contre, tu l'as fait vraiment, s'il te plaît. Non, allez, ils vont recommencer, hein. Oh là là, c'est un problème chez les Rainbow. Ils savent pas faire la vaisselle, hein. Je pensais qu'ils avaient réglé ce bug, hein. Il va me les reposer. Zen, Shirley, reste zen. Yo.
That's global. Oh purée, c'est pas possible. Ah oh, bonjour Seth. Alors Seth, c'était le papy. Le papa de Bordeaux. Voilà. Salut Oup, comment tu vas? Tu cherches parfois. Ah oui, non mais c'est bon, j'ai trouvé, t'as vu. Par contre, tu vas te lever, mon coco, maintenant? Ah oui, t'es d'humeur sexy, c'est bien. Si tu veux, tu pourras faire à manger, servir le brunch, des pancakes, comme ça tu pourras manger ton. Prendre pour te. Petit déj. Et tu vas me faire street art politique après, mon petit. On en profite, c'est l'été, il fait beau. Oh, il y a encore des assiettes là-haut. Non, mais alors. D'accord, j'ai compris. J'ai compris, je l'ai fait moi-même. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais t'as mangé, ça t'a pas suffi. Bon, bah, vu que t'es assis, tu vas faire tes devoirs. Et après, on va s'occuper de toi. Et on a beaucoup de choses à faire, hein? La fusée, le bricolage. Tu vas commencer avec le bricolage, je pense déjà. Sur moi, c'est fait. Oh, le bricolage, j'ai l'impression de faire que ça dans tous mes challenges. Tous les challenges. La logique, en plus, on l'a fait il n'y a pas longtemps avec Paper. C'est chiant, hein, de refaire toujours les mêmes choses. Ouais, il va faire ses petits pancakes. Il n'aime pas le ménage dans cette famille. Ah non, décidément, il les déteste. Il a le culot de se plaindre alors qu'il veut pas faire la vaisselle. Quelle audace. Genre, oh, ça pue, tu sais. C'est les Sims. Bon, ok, je crois que Bordeaux, il va avoir besoin d'appeler quelqu'un. Alors, si Anana, tu connais pas Bordeaux, mais c'est pire qu'un tombeur. Hein. Parce qu'en fait, il faut lui faire sa romantique en série, c'est son aspiration, il faut la compléter. Donc, c'est le cas. Hein. Il l'a réussi. Sauf que lui, au-delà de 8 petits amis, il est parti. Enfin, il s'est tapé quasiment tous les foyers de la ville, tu vois. Puis il s'arrête pas aux filles, hein. Les garçons, ils passent aussi. Hein. Mais s'il te plaît, mets pas le feu, je suis en train de parler. Et voilà, enfin, il a beaucoup eu d'aventures. Beaucoup. Enfin, j'en ai arrêté de compter parce que dès qu'il voit une personne assez jolie, il saute dessus. Salut, Clunch! C'est vraiment une bonne idée. Une pause, Shirley, ça tombe à point nommé. Sinon, ça va, merci. Et ça va bien, et toi? Je me demandais de quoi tu parlais en parlant de pause, j'ai compris après. La fameuse pause Shirley détente. Recommandée par tous les médecins. Hein? Je vous le dis. Qu'est-ce qui. Ah, mais lui, il va faire son street art avec son pancakes à la main. Je vous jure. À faire. Va remettre ça là-bas. Il n'a pas envie. Hop! Et pendant ce temps-là, il va faire son petit street art politique. Alors, tu vas t'en foutre plein la tronche comme Esther elle l'a fait dans le Decade. Ah, je fais des miniatures pour la miniature qui va suivre, bien sûr. On est voilà. Alors toi, je t'ai fait vraiment faire beaucoup de choses. Ah, il a déjà fini ses devoirs, c'est bien, mon petit. Vas-y, va te faire des mucs sur ton truc de machin là, de bricolage. Oh là là, excusez-moi, j'arrive. Bon, j'oublie pas que je vais lui faire faire du sport parce que pour moi, il a besoin d'avoir de la carrure là. Il manque de carrure par rapport à son père, je trouve. Hein. Mais il faut ça, je vous dis que c'est à cause de sa mère qu'il est pas bien gaulé. Ça change de YouTube, YouTube de. Oui, YouTube n'a pas envie. YouTube ne veut pas que j'aille streamer chez eux. Pour l'instant, hein, je sais pas, il faudrait que je reteste de temps en temps. Il est beau le cactus tout fleuri derrière. Le cactus tout fleuri, lequel? Ça? C'est vrai que c'est mignon. Je suis pas sûre qu'on les a dans le debug du coup. Ah! Une voisine? Une voisinzin? Moi j'aime bien les voisinzins. Ah! Pourquoi je suis coincée? Ta 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 ta. J'ai failli chanter
J'ai failli chanter. Je vais me retenir quand même. Bon, alors, mon petit Pulco citron. Donc, lui, c'est vrai qu'il est bien. Mais quoi? Il a faim. Oh, mais tu me casses les pieds, t'iras manger après. Vas-y, travaille. On a trois compétences à te faire bosser. Alors, à maîtriser au à niveau 10. Donc, forcément, tu. T'as pas fini, mon petit, hein. Tu vas être mon cobaye, hein. Et en plus, comme je vais te faire faire du sport, ça va faire 3,5. Tu joues sur des parties perso ou juste des challenges? Très très peu de parties perso, honnêtement. Depuis que je suis sur YouTube et tout, j'en fais quasiment plus en fait. Je surkiffe le pack à la fac. Ah oui? C'est vrai qu'il est cool. Non, chez les voisins d'en face. Ah pardon! Alors attends. Ah oui, la vache! Ah mais peut-être qu'on l'a dans le debug. Je ne sais point. Il est joli. Il est très joli. Sachez qu'on a ceux-là, par exemple. Je suis pas sûre qu'on est en fleurs. Mes Sims sont dans la maison que t'as fait. C'est-à-dire. Dans la fac? Maison à la fac, tu veux dire? Parce qu'elle est minuscule quand même. Hein. Minuscule, mais elle rentre dans le budget d'une starter. Mais bon, elle s'est améliorée quand même. Et lui, il nous fait quoi? Ah, il nous fait Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. All people dying and not enough for the living. Alors, juste avant le live, j'ai retéléchargé Twitching. Je sais pas pourquoi je l'avais enlevé. Il me semble qu'effectivement, j'avais fait un truc, mais je sais plus exactement pourquoi. Parce que j'ai vu, là, il y a Mister MV qui était en train de streamer dessus, juste avant que je commence. Et j'ai vu qu'il y avait Igiaphone de téléphone, et du coup, j'ai envie de la faire. Du coup, restez après le live là, quand je vais couper, je lance Twitchings juste derrière, et on se fait cette chanson, d'accord? Ça fait longtemps que j'ai pas fait du Twitchings. Ça fait super longtemps. Et j'ai envie de faire Igiaphone. Voilà. Parler! Parler dans l'hygiaphone! Ça va être fou! Les pancakes, il a l'air super bon, les Sims, mais enfin, c'est pas très bon dans la vraie vie. Ah si, c'est bon les pancakes! Faut voir après lesquels tu manges, parce que tous ne sont pas bons. Moi j'aime bien, j'en achète des fois, c'est Instant Story, ma vie, vie ma vie. C'est ceux de chez Marks and Spencer's Food. Je pourrais les faire aussi moi-même, hein, mais. Il s'est aspiré lui-même. Qu'il est bête! Regardez-moi ça. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. Oui, je sais, j'ai déjà chanté tout à l'heure. Enfin, je le coupe, ça, parce que dans la rediff, les gens, ils vont pas comprendre. Ou alors je le mets en bonus derrière quand même. Tu vas mieux? Ouais, ça va, ça va. Je parle toujours un peu du nez. Donc j'ai toujours l'impression que je peux retomber malade moi-même. J'ai joué la semaine dernière, 1h30. J'avais pas touché depuis 3 mois et l'ordi s'est éteint au moment où j'allais organiser un mariage à ta façon. À ma façon, ça veut dire quoi ça? Où les mariés se pissent dessus? Bon, alors les pancakes. Après, moi, les pancakes, ceux que je mange, et je ne peux que manger les pancakes comme ça, c'est ceux qui nature sans rien. Le sirop d'érable, bah, j'ai jamais goûté. Et puis j'ai. En fait, il y a plein de trucs que j'aime pas rajouter des trucs. Par exemple, là, il a une espèce de truc de beurre par-dessus. Pareil, moi, je mange pas de beurre, ça me dégoûte. Je trouve que ça pue. Après, je peux en manger dans des trucs déjà faits, en fait, hein, mais de moi-même. J'achète plus de beurre depuis longtemps. Non, c'est pas vrai, la dernière fois j'en ai acheté, ça va remonter à il y a un an. J'avais fait des sablés. J'avais pas fait de sablé depuis. Oh my god! Je m'en souvenais même plus, je savais même plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Salut Angel! Il y a une rediff. Oui, il y aura la rediff sur YouTube. La nourriture dans les Sims en général a l'air trop bonne. C'est pas faux! J'ai bien fait de me faire un compte Twitch finalement. Ah oui, bah ouais, complètement. Tu en chies avec tes Sims à la fac. Ouais, c'est. Comme ça, disons que t'as pas le temps de faire grand-chose. Et encore hier, on a découvert, on a approché la société secrète, donc c'est trop trop bien. On a découvert trois membres de la société secrète, donc prochain objectif. Oh, tu crois quoi, toi? 20 heures!
Déjà 8h du soir. Prochain objectif, eh bien, ça sera. Tu vas reprendre. Ça sera d'intégrer la société secrète avec Tibalt. Tu sais ce que tu vas même faire? Ah, non, tu vas te courir ici. Je voulais te faire un footing, mais c'est vrai que les footings, ils sont flingués. Bah, peut-être que ça a été réparé, hein. Mais il va. Voilà. C'est vrai qu'il est maladroit et on doit faire le bricolage et la fusée et tout. Ouais, on est mal barré, hein. Allez, mon chou. Va prendre un bain. Va faire pipi. Et tu iras te laver. Et tu iras te coucher. Et toi, t'as pas fini ta truc? J'ai complètement oublié, vu que l'heure avance et tout. Il est 22h, il a toujours pas fini? C'est une blague. Mais non, mais hé. Mais ça dure combien de temps, leur truc, là? Oh, punaise! Whew. Has he heard the word? Alors, il a besoin de discuter avec quelqu'un, absolument. Tu vas te... Ouais, présentation charmante, on s'en fout. Bon, il est vieux, hein, mais t'as pas encore essayé les vieux, hein, donc... Pourquoi pas? Il faut discuter des centres d'intérêt, donc après, on s'en fout. Alors, tu vas te demander comment s'est passée la journée. Et puis... Discuter des centres d'intérêt. Parce que, bon, l'objectif président... Ah, ça y est, ils sont plus déjà. Oui! Nous avons fait les objectifs. C'est perfecto. Non, mais c'est bon. Voilà. Oh, merci, au revoir. Tu peux pas lui dire au revoir. Ah, ouais, allez, allez, on va promouvoir la politique. Ah, bah, il partait, justement, c'est pas grave. Alors, et tu vas lui demander un vote, parce que bon, quand même, obtenir un vote, voilà. Bon, parce que bon, Bordeaux doit être président, hein. Maintenant, il n'y a plus le choix. Hey, youhou! Parfait. Bon, bah, Bordeaux, tu vas nous refaire un petit à manger, servir le dîner. Des spaghettis! Oh! Ça me fait rêver. Bon, et lui, il va dormir, demain il va. Non, mon petit, c'est ton lit ici, mon coco. Eh, hey, oh, tu crois où là? C'est pas encore à toi le lit du maître. Bientôt. Tu pourrais déjà, mais il te faudrait une femme. Pour l'instant, voilà quoi. On n'y est pas encore. Tu mets pas de beurre dans tes pâtes? Jamais! Quelle horreur! Oh. C'est moi, c'est Céline. Ah, ok, punaise, parce que vous avez des pseudos différents à chaque fois. Mais en fait, il y a plein de Céline qui me suivent, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de Céline. Il va se couper un bras. Oh, mais non, alors. Tant que c'est pas le troisième. Salut Pétersbourg, comment ça va? Je trouve que tu gères super bien Sims à la fac, car il est vraiment pas facile. Ouais, et en plus, bah, en prenant 2 mois, je pensais pas que ce serait aussi, voilà, serait aussi intense. Donc là, il m'enjouille, c'est bien, après t'iras au pipi. On va éteindre la musique, ce serait cool aussi. Et après, t'iras te coucher. Ça, c'est bien, voilà. Il va faire la vaisselle. Bon, par contre, t'avais une autre assiette, hein. Il fait sa vaisselle. Et après. Le petit lavage de main, parce que c'est un homme propre. Oh! Alors, je vais enregistrer. Parce que tout à l'heure, j'ai eu une coupure de jus, hein, dans la rue. Hein, j'étais pas toute seule. Ça m'a fait penser à l'incident qu'il y a eu hier soir sur Cergy. Donc, je dis, bon, si c'est pour tout casser. Enfin, ça arrive quand je fais quelque chose. Donc, ça évite aussi que si le jeu plante, que je perde toute mon avancée. Ces spaghettis ont l'air trop bons, j'ai faim, mais grave, ça me donne envie de manger des spaghettis, quoi. Je comprends pas pourquoi je m'appelle comme ça sur Twitch. Ah, je peux pas te dire, c'est toi qui l'as fait. Ou alors c'est le compte de ton copain, ou je sais pas. Copain, frère, sœur, j'en sais rien, je connais pas les situations de tout le monde. Les cours de Pulco, Pulco, Pulco Citron. Allez, mon petit, tu vas aller manger. Il s'est couché tôt quand même, hein.
1849! On a gagné 400 balles de plus. Mais c'est en fait, on a le salaire journalier qui est entre 1400 et 1800 simflouzes. Et en plus, dès qu'on fait un truc, on regagne de l'argent. C'est incroyable. Faire des promesses en l'air et réaliser une œuvre de street art politique. Encore! Encore! Oh, mon Dieu. Ah oui! Ah oui, là, et oui, ah oui, ah oui, ah oui. Bah écoute. Si t'es. Non mais Pulco, c'est bien. Tu vas te doucher. Oh mince! Il a perdu un niveau de célébrité! Oh bichon! Sois pas triste! Bah voilà, il l'est plus. Sois pas triste! Bah non, c'est bon, il l'est plus. Mince! Je me suis trompée de touche! Ah, oh, c'est pas le même clavier que j'ai, alors du coup, j'ai un peu du mal. Hein. Critiquer l'œuvre, effacer. Ça va, Pulco, hein? N'oublie pas d'aller en cours hein, après. Dans 5 minutes. Ouais, ce manque de charisme par rapport à son père, c'est quelque chose, hein. Salut Marine! J'ai pas de copain. Ah bah moi non plus. Voilà, comme ça, on en sera deux. C'est quoi cette douche? C'est une douche que j'ai eue en récompense avec la carrière scientifique. Du coup, comme je me suis dit, bah tiens, on va faire deux salles de douche. Donc j'ai casé la douche là. Ça m'a évité d'en racheter une à l'époque quand j'avais fait la maison, quoi. Maintenant, on a de l'argent, hein, on a 43 000 simflouz, mais pourquoi pas après tout. Oh! Donc tu nettoies. Ok. Non, tu vas pas parler, tu vas en refaire une. Et Pulco, lui, il va en cours. Et puis il va réviser. Alors, pour Pulco, vu qu'il s'est pas fait beaucoup d'amis, hein, j'avais insisté sur le fait que je le ferais seulement quand il serait adolescent. Je vais le faire se faire des amis genre tous les 2 ou 3 jours. Pas à chaque fois. C'est comme ça que je fais d'habitude pour tous mes challenges, pour qu'ils rencontrent des gens, pour faciliter, pour avoir une petite femme ou un petit mec après en fait. Mais ouais, parce qu'il y en a qui sont vraiment pas terribles, donc ouais, il connaît pas beaucoup de monde, hein, ça se voit. Donc je le ferai de temps en temps. Voilà, peut-être 1 ou 2 fois par semaine Sims, comme ça. On aura des connaissances, mais pas trop, vu qu'il est censé être très solitaire. Salut Marie! Salut Bubu! Comment vous allez bien vous? Marie, tes oreilles, elles ont pas sifflé? Parce que je t'ai un peu taillée à cause de Pulco. Ah, je t'aime bien, tu sais. Le dernier contrôle de mathématiques de Pulco était loin d'être son meilleur. Il a obtenu une note médiocre qui pourrait vraiment faire baisser sa moyenne. Doit-il demander à faire du travail supplémentaire pour améliorer sa note ou juste tenter d'avoir une note parfaite la prochaine fois? Travailler davantage, c'est un bourreau de travail. Qu'est-ce que t'as encore dit sur moi? Ah, j'ai dit que Pulco, il avait un sacré manque de charisme et que c'était de ta faute. Parce que ça venait, c'est à cause de sa mère. Découvrez les bourses! C'est vrai que je sais plus à quoi ça ressemble, moi. Ben oui, très bien. Ok. Bah, on s'en fiche, en fait, parce que. Je ferai un sondage, ça, dans l'onglet communauté, je pense, parce que comme là, on est entre YouTube et Twitch, ça va être un peu compliqué. Pour savoir si je fais l'université avec Pulco ou pas. Pour qu'il avance, peut-être avoir un niveau énorme, élevé au niveau de la carrière astronaute ou pas. Ou si je galère. Oula! Oula, désolé Bubu, t'as mis trop de smiley, je pense. Nightbot, il est pas content. Désolé, désolé. Je savais que en vrai, tu m'aimais pas. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tu pourras regarder le replay alors. Rien que pour savoir. C'est bien, regardez, il nous fait un truc écologique maintenant. Tout à l'heure, c'était Heal the World! Et maintenant, c'est toujours Heal the World, mais Heal the World version attention, les sapins en bonne santé, les sapins qui sont cassés de l'autre côté. C'est un peu comme dans Stranger Things. Vous savez, c'est le monde parallèle en dessous, là. Comment c'est déjà? Comment ils disent? Je sais plus. Ah, le trou! Ah, mon Dieu! Comment ils disent dans Stranger Things déjà? Je sais plus. Ah. Bon, c'est pas grave. Et merci pour le follow à Chonks. Merci beaucoup. Et salut à toi. Sinon, vous voulez tout savoir, j'ai la chanson de 3 cafés gourmands dans la tête à cause du boulot.
Je connais pas du tout. I follow you. Yes, you followed me, Shanks. Hello. I don't know if you're English or not. Or French. Play University Life, please. No, it's not my part. It's not so very challenge for now. Yesterday it was university. But maybe this guy is going to university. I will ask to my community. C'est cool, il aime la nature, Bordeaux. Bah oui! Mais oui! Il aime la nature! C'est quelqu'un de bien, c'est moi qui l'ai élevé, quand même! Tu sais, c'est comme les. N'importe quoi! Comme si c'était ça, quoi. Merci Marine pour le follow! Bon, on va accélérer un petit peu parce que bon, on n'a pas que ça à foutre, hein. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, il s'ennuie! Oh, bichon! Bah, regarde, tu vas revenir à la maison, tu vas pouvoir aller sur le PC, tout ça. C'est long quand même, hein, son truc, lui, hein. On a le temps de s'ennuyer. What are you doing now? I'm playing the Not So Berry Challenge. À nos souvenirs, la chanson des Corréziens chauvins. Je connais pas non plus. Ça part sur un live bilingue. Ouais, s'il arrive à comprendre mon super accent. Rollin, Céline, Rollin, Céline. Bon, ça, les gens, ils vont pas comprendre. Hein. Sur YouTube. Allez, tout le monde parle anglais. Yes, I will speaking all in English from now. Please, I have to keep my English safe, you know, for maybe if I'm working in 1 month or not, in 2 months or 3 months. Maybe if a day I will working again. Ah, c'est joli avec les couleurs. It's a beautiful leg with the colors. Et merci Melia Iliane pour le follow. Oui, du coup, je regarde directement sur mon OBS, comme ça, j'ai pas besoin d'avoir d'entendre le. You are French. Yes, I'm French. And you? Je te la ferai écouter, tu vas voir, elle est sympa en vrai, mais ultra relou parce qu'elle reste en tête. Je suis pas sûre de vouloir écouter alors. Dans mon malheur, je me dis que des fois je connais pas des trucs et que je suis bien contente de ne pas les connaître. Des trucs très connus mais qui sont de la merde, hein, genre Jul ou je sais pas quoi. Et je me dis, oh là là, mais c'est bien en fait de. D'être dans mon autarcie, là, d'être dans mon monde, parce que. Ah, mais j'ai les rentrées, je l'ai même pas vu! Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Il mortifie. Il est mortified. Mon chou. Mais non, t'es pas mortifié. Allez, viens! Oh là là! En slip. Qu'est-ce qui se balade dans le slip? Regardez-moi ça! La sexitude! Mon Dieu, et toi, t'as fini ton truc ou quoi? C'est pas possible ce temps-là que ça prend. Il va mourir, quoi, dans les pattes, là. Allez! Come on! Il va se pisser dessus. Ah, il a bientôt fini. Antonio! La vache! Alors, mon petit, tu vas aller. Faire ton pipi et tu vas aller manger un truc parce que là c'est plus possible, tu vas nous claquer dans les pattes. Quoi? Sandwich aux toilettes? Ah bah, il est rentré de cours. Ils sont bêtes. Qui sont bêtes? Et c'est quoi après? Faire des promesses en l'air. Bon bah, tu vas en faire à ton fils. Tu vas faire des promesses en l'air à ton fils. C'est pas très très grave. Ah, je peux pas lui parler politique. Ah, zut. Bon, tu te calmes. Non, mais avec son slip, c'est pas possible. C'est horrible avec son slip. Ah, oh mon Dieu, j'ai été horrible en le relookant, ce gamin. Qu'est-ce qu'il a? Mais calme-toi, dis, oh. Va prendre un bain. Allez, vas-y. Eh, bébé, bébé, on n'a pas fini, hein. Avec ses traits de caractère à la mort, moi le pif là. On n'a pas fini. Ce slip, putain. I don't watch football, sorry Shanks. I hate sports. Mais qu'est-ce que c'est long les œuvres de street art. Mais de ouf, ça prend 8 ans les graffitis. C'est joli après, c'est clair, hein, c'est super beau. Hein.
C'est hyper joli. Ça fait un peu Racine et un peu le monde d'en dessous, quoi, comme dans Stranger Things. C'est tellement louche. Ouais, voilà, donc tout le monde est d'accord. Toi, il faut que tu ailles parler à quelqu'un. Que tu ailles faire des promesses en l'air, là. Là, regarde, 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 regarde. Oh, il y a ton copain. Il y a ton pote. Tu vas. Amical, carrière politique. Promouvoir, vas-y, on s'en fout. Tac, tout, 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 tout. Ah, je peux pas faire. Non, c'est dans malice, c'est vrai. C'est vrai qu'il combat la malice, mais il en fait aussi. Ça, c'est. C'est la logique des Sims. Ta-da-da-ta-ta-ta. N'oubliez pas de voter pour moi. Un vote pour Bordeaux et tout le monde, il est beau. La logique, oui, c'est ça. Alors, c'est bon, on a tout fait? Oui! Titi-titi-titi. Bon, on n'y est pas encore en excellent. Je pense qu'on va galérer un petit peu. Une fois, un petit peu tous les jours, on va monter. Ah non, mais je sais du coup ce que je vais faire. C'est vrai que je vais lui faire beaucoup de politique, débattre. Toi aussi, on va te flatter. Et puis, on va. Voilà. Je vais lui faire parler de politique un peu. Mais si, je peux lui faire. Pourquoi il peut pas le faire sur son fils du coup? Parce que lui, c'est un ado aussi, apparemment. Hop, voilà, comme ça, il va s'entraîner. Et on a le petit citron, là, il. Alors, tu sais quoi, là? Tu vas t'entraîner un coup, là. Tu me. Mortifié. Passe par des phases. Je t'avais laissé tes boucles d'oreilles, toi. Oh my god. Super. Oh lolo. Arrêtez de me regarder. Oups. Arrêtez, j'ai dit. Il faut pas les regarder. Regardez, je vais le mettre à ma place. Enfin, je crois que ça sera à ma place. Là, voilà. Ça, on le voit plus. Ouais, parfait. Je suis en train de l'imiter. C'est très débile. C'est complètement con. Oh, il y a des coyotes hein, qui se baladent. Hein. Attention. Hein. Je suis celle qui a 35 ans. Très bien, Céline. Oh, punaise, mais beaucoup de Céline, quand même. Et si tu l'envoies au boulot et que tu fais travailler dur, ça ira pas plus vite. Peut-être, mais après, c'est vrai que comme j'ai que deux Sims, j'aime bien m'occuper et te faire m'occuper d'eux, en fait. L'illusion est parfaite. Mais il y a des coyotes, ils sont. Laisse tomber, hein! Allez, mon petit, là. Faut que tu te sculptes un corps de rêve comme ton père. Hein. Tu sais que tu vas nous faire. Ah, tu peux faire déjà des meubles. Allez, tu vas nous faire un pot de fleurs et une petite sculpture. Hein. Faut pas traîner. On n'a qu'une vie avec toi, donc. Et lui. Non mais Bordeaux! Il est parti se coucher comme un vieux papy. Tu vas appeler quelqu'un, tu vas faire des bêtises ce soir peut-être. Tiens. À qui on va appeler ce soir? Oh bah tiens, on va appeler Jonathan. Allez, Jonathan, il va passer à la casserole, vu qu'il y a un peu de rose et que c'est le seul qu'on n'a ni embrassé ni rien fait. Bon, tu vas me nettoyer ces trucs, quoi, parce que là. Il est joueur. De toute façon, il va arriver dans 3 secondes et demie, voilà, c'est ça. Alors, tu vas offrir une rose et tu vas le complimenter. Merci, Tin Whistle, pour le follow. Ça me stresse, il va mourir. Mais non! Alors, ils peuvent pas mourir quand ils sont adolescents avec des trucs comme ça, mortifiés, tout ça, hystériques. Ils peuvent pas. C'est par contre, si tu leur fais fêter leur anniversaire en étant hystérique ou mortifié, là, c'est direct. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a un appel, lui? Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui est mort. Agnès, mais on s'en fout. Oh, voilà, maintenant il va plus être d'humeur. Bon, par contre, le jeu, s'il te plaît. Oh, oh j'ai cru que j'allais qu'il allait planter. Voilà, regarde, il va mieux. Voilà, t'es rassuré. Genre, je savais pas. Bah, si, 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 je te jure, ils peuvent pas mourir quand ils sont adolescents de ça. Parce que c'est considéré comme des états d'âme d'adolescents, en fait. Mais par contre, oui, en tant qu'adulte, oui. Personne va mourir, Sweetson, t'inquiète.
Personne. T'avais pas encore donné ta rose, toi? Mon Dieu. Je vais raconter des ragots. Après, tu vas un petit peu le essayer de flirter. Bah ouais, mais il est triste maintenant. Ça casse les noix un peu. Alors, c'est sur la carrière. Par contre, t'es fatigué, hein. Ah, j'allais dire, ça y est, ils sont kéblo. Bon, si t'arrives pas à te le taper, c'est pas grave. Sinon. Bon. Ah oui, il travaille. Bah oui, il travaille au truc de Strangerville, bah, pour changer. Bon, écoute, tu lui dis au revoir et tu vas être couché. Je pense que sinon, on va jamais y arriver. T'es fatigué, mon petit. L'œuvre de street art t'a usé. Voilà. Tac. Ah bah ils sont déjà en train de dormir. Alors, je vais encore une fois sauvegarder, hein, maintenant on n'est jamais trop prudent, de sauvegarder de temps en temps. C'est vrai que c'est logique dit comme ça. Oui, tout à fait. Fouf. Puis après ça va être le week-end. Alors on va passer le week-end dans ce live, comme ça au moins le prochain live on débutera directement. Eh bien... J'ai eu peur, je crois que c'est un éclair. Directement au lundi, pour Bordeaux, ça pourrait être bien. Parce que c'est chiant le week-end, on se fait vite chier. Mais là, je vais faire full pulco pour qu'il avance à max dans ses compétences. Et ce sera bien. Alors, tu vas pisser, tu vas manger, on va faire ça à la maison. Ok. Pulco, pulco! Pulco, pulco! Allez, tu vas te prendre une petite douche, ça va te faire du bien. Allez, mais oui, mais tu peux pas faire pipi sous la douche. Ça y est, maintenant qu'on a le crac-crac sous la douche, moi maintenant je veux le pipi sous la douche. S'il vous plaît. Les Sims, merci. La meuf qui est toujours en train d'exiger un truc. Bon, quoi, c'est un minimum quand même. Dans un jeu aussi bien fait. Ouais, je suis pas sûre que t'aurais le temps. Allez, vas-y. Attends, tu vas... Est-ce que t'avais quelque chose dans ton inventaire? Tu as mangé une pomme. Vas-y, tu as mangé une pomme. Parce que... crac crac, manger des pommes. Voilà. Et après, tu vas en cours. Voilà, il va bien, regarde. Il est en pleine forme. Il est tout content. Il va en cours, il est content. Et on va le faire réviser. Comme ça, il aura des très bonnes notes. Et pour l'université, ça pourrait être vachement bien. Bon, toi, tu finis... Ah ouais, il est triste, il est cassé. Finis tes trucs. Après, tu vas... Hop, parole d'encouragement. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Ah, manger au festival des épices et se faire des amis dans le quartier chic. Bon, bah, on va devoir se taper deux temps de chargement, les enfants. Je suis désolée. Là, j'essaye de... Allez. Faut qu'il soit plus triste parce que c'est chiant. Deux jours encore, ouais. Donc, on n'a pas fini. Hein. Allez, dépêche. Tu sais, tu vas m'appeler SOS Tristesse aussi. Un petit coup. Là, hop. Ça descend bien, ça. Voilà. Ok, alors, direction... Quartier chic. Se faire des amis. Ah, donc, on a besoin de s'en faire qu'un seul. Hop, c'est parti, mon kiki. Non, on y va tout seul, on est des grands garçons. Salut, Nico! Oui, le pipi sous la douche, la base. Bah ouais, attends. C'est Eco Plus. Écolo. J'ai lu Eco Plus. C'est pas... Oui, c'est écolo, c'est pas Eco Plus, n'importe quoi. Ah, et ça, c'est un abonnement sur YouTube. C'est Nicolas, merci beaucoup pour l'abonnement, Nicolas. Et voilà, salle de sport. Allez, on a l'habitude. Ah bah toi, tu vas être notre ami. Insulté. Et direct. Ah, mais c'est le paparazzi! Mais c'est déjà notre ami! Le paparazzi, c'est notre ami! Je sais pas s'il est considéré comme ami, hein, tu me diras. Rua. C'est un ami! Ah. Alors, dans ce cas-là, on s'en fout, on va pas te parler. Mais lui, par contre, Jean-Baptiste Debras. Ah, le fameux Jean-Baptiste Debras. Deux jambes et une tête. Oh la vache! Ses muscles! Oh voilà, bon bah Bordeaux il a vu les muscles, il est... D'un seul coup on le sent vachement gringalé à côté, hein. Voilà, il le connaît pas. Parler de la température chaude, toujours. Voilà.
Si, vous n'allez pas le voir. Ah, Nalani! Ouais, mais on s'en fout, toi. On t'a déjà. On t'a déjà chopé. Voilà, tu. Ah, il est pas insensible, hein, JB. JBDB. Entraînement avec Jean-Baptiste. Oui, non, alors attends, du coup, on va quand même complimenter. Faut que tu deviennes ami avec moi. Est-ce que tu veux bien Jean-Baptiste, deux bras, deux jambes et une tête? Se renseigner sur la carrière. Mon jeu rame légèrement, c'est un peu chiant, quand même. J'allais le dire. Alors, vous avez remarqué à quel point elle s'est rajoutée à la conversation, hein, alors que c'est même pas elle que depuis tout à l'heure je clique pas du tout sur elle. Tu vas apprendre à le connaître, hein. Demandez de regarder. C'est vrai qu'on va pas se taper quelqu'un, il faut juste un ami. Bon, après, ils disent pas si l'ami peut être plus si affinité, hein, quand même. Alors, on va parler, complimenter la tenue. Ouh, j'adore ta tenue de sport, chou. Mon chou. Ton petit short là, il te sert bien à la taille. Il te souligne tes petites muscles là, tes petits abdos. Ah, il est entraîneur. Bah ouais, je comprends. C'est pour ça que j'avais le entraînement avec Jean-Baptiste. Voilà. Faut qu'il parle maintenant. Vous avez vu le futur pack? Salut Quentin! Comment tu vas, Quentin? Futur pack pour l'instant, oui. Bah oui, c'est le Arts and Crafts. Hihihi! Du tricot pour les vieux. Ouais! Ça fait pas très beau les muscles comme ça. Non. Ah, il est klepto! Magnifique. Et matérialiste, mais il a tout pour plaire, ce petit là, ce garçon. Je vous raconte pas. Ce midi, je suis allée faire des courses et j'ai acheté. Vous allez dire, mais il faut qu'on s'en fout de sa vie. J'ai acheté des petits pains et des croissants. Je les sens d'ici. Depuis que je les ai achetés, ils embaument l'appart, j'en peux plus. J'ai qu'une envie, c'est de me ruer dessus, mais j'essaye de me contenir. Et là, je les sens. Punaise. Est-ce que ça sent bon, bon sang? Ah mince! Désolé Quentin. On va enfin pouvoir faire un EHPAD avec animation et tout, je suis joie. Je suis passée à côté d'un EHPAD tout à l'heure, Marie, j'ai failli prendre en photo pour toi. Bon alors, quand est-ce qu'il devient ami celui-là? Intérêt réciproque, oui. Alors. Tu vois là, elle se barre. Non, parce que j'en ai marre de discuter avec elle. Voilà, maintenant tu vas devenir ami avec lui. Parce que bon, ils sont bien gentils, mais. Ah, voilà! Un peu de toucher. Voilà, tu vas le flatter. Putain, mais oh, il est tellement musclé, c'est un truc de malade. On sait tout de lui, hein, déjà, mais. Conversation profonde. Allez, faut que ce soit un ami, là! Ça va pas tarder. Mais du coup, qu'il y a un petit truc d'amour, est-ce que ça foire pas la relation amicale? Mais on te parle pas, toi! T'es le beau-frère? Non, c'est juste. Non, c'était Frédéric, je crois, qui était le père de Jonathan. Si je ne me pas, je me dis pas des bêtises. Ah, mais j'ai déjà fait! Ah! On va manger au festival. Allez. J'avais pas fait attention. J'ai pas vu que ça m'avait validé. Zut de flûte mince. Bon, on s'en fout. On y va. Bon, c'était sympa, JB. Deux bras, deux jambes et une tête. Nous, on va au quartier des épices. Alors, manger. Il n'y a qu'un seul endroit, donc on va y aller. Bonjour, mademoiselle. Kalamami Sipeka. Je suis obligée, voyons! Mais non, c'est pas grave s'il pleut. Elle est mignonne! Voilà. Embrassez les mains. Est-ce que ça va être un rejet ou est-ce que. Ah ouais, ça marque direct.
Mais il est triste maintenant, pourquoi? Non, pas snobé. Oh là, oh non. On va faire une conversation profonde, tu vas la flatter et tu vas, alors pas obtenir un vote, tu vas tout de suite quand même bah, lui parler politique, certes. Tu vas promouvoir ta politique parce qu'avec Bordeaux Rainbow, tout le monde devient beau. Voilà. C'est quoi ça? Oh, monsieur, pas mal. Ah! Ah! Ça y est, elle en peut plus. Hein. Oui, je chante. Lui, il est en train de chanter. Do we do some more? Ok. Regardez! On est en performance excellente. Oh la vache! Dis-moi pas que c'est pas vrai. Il y a des trucs à manger ici? Parfait. Acheter des produits. Ou acheter un plat directement. Quand on a mangé. On va faire ça. Samoussa. Ah, puis alors pas la moche. Je préfère vraiment m'occuper du garçon là. Preston Phillips, comment allez-vous? Et Tom Moulton. J'adore avec les noms qui riment et tout. Des tongs avec des chaussettes ou quoi? C'est quoi ces chaussures? J'ai pas fait attention. C'est pas le festival, ça ne va pas marcher. Mais Marie, la dernière fois, je devais aussi, je sais plus, faire trois choses au festival des épices. Et je suis allée dans le quartier, j'ai fait ça, et ça a compté quand même. Donc, qui dit, je sais pas. C'est pour ça que je tente quand même. Hein, vu que c'est le quartier, en fait, ça peut valider comme ça ne peut pas valider. Bonjour, jeune homme. Olivier Faure, pourquoi tu lui parles? Et un samoussa, ça pique, les gens? Vous savez ce que ça pique, les samoussas? Attendre qu'ils finissent, hein. Ça va peut-être tellement fonctionner. Il crache du feu. On peut petit Bordeaux. Vas-y, je t'en prie, crache du feu que je te prenne en screen. Beau gosse, il est triste tout, non, regardez. Il a commencé à avoir des petites cernes. Oh, bichon! C'est vrai qu'il a des cernes maintenant, dis donc, et... C'est quoi ce vieux croûton là? Quelle tristesse. Vas-y, crache du feu. Non. Allez, ça y est. J'ai pris les photos. C'est n'importe quoi. Ça dépend ce que tu mets, par exemple, je mets sans piment. Ah bah moi j'aime pas ce qui est épicé non plus, donc. Jonathan! Ils veulent faire à chaque fois. Bon, tu finis de manger ton samoussa. En plus, il avait le truc encore dans la main, cet idiot. Mais arrête de parler! Ça, c'est les politiques. Hein. Ils ont un besoin de parler incroyable. Hein. Ça a pas validé. Mange! Il va avoir la chiasse après. Ça va être phénoménal. Zut! Effectivement, ça n'a pas marché. Mais oui, mais c'est quand le festival des épices, moi, je sais pas. C'est pas maintenant? Non? C'est ça? Bah, c'est ça! Regardez, même quand je le fais pas, il va parler à des meufs. Ah bah, pourquoi il va lui parler à votre avis? Bon, elle a une voix bizarre, hein. Mais elle est à moitié à poil, c'est pour ça qu'il va. Donc c'est ça qu'il doit manger? Par contre, basilic, du persil, un buisson. La bête plante vache! Mais je savais même pas. Vous savez que je viens jamais moi au Festival des épices. Hein. Mais alors c'est pas ça le Festival des épices? Je sais même pas. Hein. C'est ça? Bah écoute, pour l'instant. Ah, tais-toi, toi!
Oh là là, les looks! Regardez-moi ça! C'est pas possible! En tout cas, ça pleut! Donc, je peux faire quoi? Il faut que je mange un truc là maintenant? Bah écoute, tu vas goûter. Je n'attends que ça là, je sais pas si. Il va se dire, mais pourquoi tu me fais bouffer autant? Il va se rechoper un ventre de. Oui! Ah! Ça va, je suis rassurée. Je suis rassurée. Oh, bichon! Il va boire. Faut qu'il calme la langue, hein, vu que. Tu vas pas cracher du feu avec ça quand même. Oh, il est tout tristoun, bichette. Allez, on va rentrer à la maison. Parce qu'il est 19h30, bientôt 20h. Bon, voilà, histoire de. Il est tristesse. Je suis tristesse pour lui. Le sandwich au fromage fondu aussi ont l'air si bon. Il faut pas avoir un estomac fragile. Ah ouais, tu vois, c'est Anana, ça y est, j'ai réussi. Merci. Ah, on est tombé sur le bonjour! C'est cool parce que bon, comme je sais jamais quand est-ce qu'ils sont là, les festivals des épices, quoi. Voilà quoi. Et nous revoilà le long de l'île de l'eau, regardez! On est censé avoir la promotion! Mais on est vendredi, donc on l'aura pas avant lundi! Cette frustration, tu la sens là, tu la sens. Bon, mon petit, ça y est, il a déjà la chiasse qui pousse lui. Ouais. Allez, va aux toilettes. Qu'est-ce qu'il fait lui? Non, 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 non. Oh là là, regardez, il est mal gaulé cet enfant. Non, 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 mon petit. Tu vas venir, tu vas continuer ton bloc de couteau, on va travailler. On va travailler. Il faut aussi que je lui fasse lire 3 livres. Hein. On n'a pas de bibliothèque. On n'a pas de bibliothèque dans cette maison. On a autant. Ils n'ont pas de culture. Ils n'ont pas de culture dans cette maison. Bon, bah, je vais devoir rajouter une bibliothèque. Je vais rajouter une bibliothèque. Comme ça, ce sera fait. Peut-être dans le bural. Ou celle-là, elle est bien aussi. Elle est toute simple. Genre là, il n'y a rien. Voilà, il y aura une bibliothèque. Quoique, elle est pas très. Allez. Je vais quand même utiliser quelque chose de sympa. Est-ce que vous avez quelque chose? Alors, de couleur jaune. Eh ben super, on va mettre celle d'à la fac. Voilà, c'est très bien. Alors pourquoi jaune? Parce que c'est Bordeaux, Bulco qui en a besoin. Donc j'aurais pu mettre rouge, mais je lui dis que comme c'est lui qui en aura besoin de lire des livres et tout, bah. Voilà. Ah bah justement, j'avais demandé, t'es où? T'es déjà en 3 bricolages. Très bien. Attends, 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 mon choupi. Ah, tu vas faire un dragon. Allez, un petit dragon. Et un petit tabouret de bar. Toi, t'inquiète, on va focus sur toi tout le week-end, mon petit. Tu vas ressortir du week-end complètement changé. Hein. T'auras construit ta fusée, t'auras déjà une compétence à 10. Genre. C'est pas vrai, hein. Je suis un peu frustrée, on n'arrivera pas au niveau 10 cette fois-ci. Mais il est déjà couché, lui. C'est pas possible, il m'épuise. Oh là là, Bordeaux. Je t'ai dit de te laver, pas d'aller dans la piscine. Ouais, bon, d'accord. Et t'appelleras SOS Tristesse parce que tu me casses les pieds. Après, t'iras tout aux toilettes. Eh ben tant pis, hein, Pulco, tu me le termineras. Hein. Oui, bah t'iras te coucher après. Alors les abdos, mon petit. Non, ils sont toujours pas là, les abdos chez Bordeaux. On est tous déçus. Hein. Je vous ai entendu, je vous ai entendu. Tu vas râler, mais je vais jouer aux Sims en même temps. Encore? Mais c'est pas possible. Cette fille a besoin d'inspiration. Je plaisante. Bon, allez, tout le monde au lit.
Ça, vous ne cassez plus les pieds. Je sauvegarde, hein. Et évite de tout perdre. Nous passons le week-end. C'est cool. C'est comme ça, lui, il avance. Bricolage 3. On va lui faire faire du sport, on va lui faire faire du bricolage, de la physiologie. Et puis, bah, la logique, je le garde du coup pour quand il fera moche. Comme là, c'est l'été, on va en profiter de faire la fusée et tout ça. Ça pourrait être bien. Mais t'es déjà debout? Ah bah voilà, ah bah ça y est, ça va être l'hécatombe, tout... il va être en tristesse tout le temps. Mais non! Oui, puis tu pues en plus, dis. Eh. Vas-y, mange. Mais mange, mon petit, mange. Oh là là, je pense à mon grand-père. Mon grand-père qui était plus jeune que mon père. Ouais, t'iras te prendre une douche tonifiante. Et t'iras pipiter après. Voilà, tu vas mieux. Bon, je l'ai remonté en bloc, lui. Oh, il a mis son beau costard, en plus. Maintenant, c'est Opération Pulco. Avec sa décoration très, très moche de sa chambre. En plus, je vais pas pouvoir jouer ce week-end, alors j'en profite un max. Tu pars encore? Ce week-end. Bah, ce week-end, il y a moyen que j'avance encore sur le let's play à la fac. On verra bien. Bon, tu vas aller manger. Alors, il sait plus. Il prend des pancakes, il prend des spaghettis, il sait plus. Qu'est-ce que je vais manger? Trop bonne chose, trop de bonnes choses dans mon petit. Dans le frigal. Retira. Tonifiante aussi, ça, je vais t'envoyer au sport tout de suite. Quoi? Encore un mort? Ah, non. Non, alors on va sûrement pas accepter notre boulot. On est sur le point d'avoir la promotion 10, d'être président de l'univers des Sims. Alors, zut, hein. On est focus sur Pulco maintenant. Rattrapage du week-end dernier, Marie. Je pense que c'est ça. Quoi? Ah oh là là, Jonathan Martin est mort aussi. Je vous ai dit, ça y est, ça va être l'hécatombe. On va y passer. C'est pas possible. Là. Ah bah non, ça y est, il est tonifié. Tout va bien. Tu vas t'entraîner. Un petit peu de sport. Voilà. C'est la canicule, c'est pas grave. Ça, il gagne un peu. Fitness, c'est bien. Il s'est juste cassé la gueule, on n'a pas eu le temps de voir, mais c'est pas grave. C'est bien, c'est bien. Non, pas de... Non. Tu vas faire encore un peu de bricolage. Tu vas faire une jardinière. Tu vas faire un miroir. Tu vas faire un pot de fleurs. Et tu vas faire un tabouret. Rien que ça. Regardez, il est déjà plus fit. C'est pas vrai. Mais bon. Alors, ça va mieux? Tu t'ennuies? Tu vas faire à manger? Oh non! Tu vas faire des macaronis au fromage et tu laisses ce jus d'orange dégueulasse, s'il te plaît. Ah, j'en peux plus qu'avec leur verre d'eau et tout, là, c'est infernal. J'arrive pas à le prendre. C'est bon. Macaronis au fromage. Mac and cheese. Ça, c'est cool. C'est bien, ça on fait à manger à l'avance. Tu sais, ton père faisait déjà ça de son vivant. Je lui faisais préparer plein de bouffe. Oh là là, je suis encore quelqu'un qui est crevé. Ah ouais, Damien Dubois. C'est pas possible, c'est l'hécatombe. Damien Dubois, mais on le connaissait, lui aussi le connaissait. C'était qui, Damien Dubois? Mon Pepper. Stéphane Sanchez. Pour qui c'est moi, Stéphane Dubois? Quelqu'un qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, je pense, hein. Oh, un petit chat! Oh non, un petit chat, moi, ça me... Stéphane Legrand. Damien Dubois, je dis Stéphane Dubois, mais c'était lui. C'est pas le père de B ici? Stéphane Dubois. Ah, il va pleurer. Regardez, bichon. Il y a trop de morts dans... La mort commence à l'envahir, le pauvre petit.
Tu dis ça, mais t'as même pas pleuré quand ta mère, elle est morte au pied de ton lit et enfoirée. C'est vrai en plus. Il a dormi, il avait rien à foutre. C'est vrai, ce qui est trop chiant, les Sims qui prennent des verres d'eau tout le temps. Mais oui, mais ils étaient surtout censés ne plus le faire, quoi. Ils avaient fait un patch exprès. C'est le grand-père de Pulco, d'accord, bah c'est ça alors. C'est pénible la tristesse quand quelqu'un qui connaisse de loin meurt, ça dure trop longtemps. Oui, 2 jours. Oui, il devrait avoir des grades, tu vois, quand c'est vraiment la famille, tout ça, c'est 2 jours complets, je veux bien. Mais quand c'est juste une connaissance qu'on n'a pas parlé depuis, ça devrait être juste, ah, mauvaise nouvelle, mais pas besoin de pleurer comme ça, quoi. Non, je ne suis pas d'accord. Travaille, Pulco. Après, tu auras le droit d'aller aux toilettes et de regarder la télé, un petit peu. Niveau 4 bricolage. On est censé avoir 10, hein. Voilà, c'est bien, petit. Tu travailles bien. Tu aimes promener un grand avenir, mon petit. Ah, tu devras le reprendre, le pot de fleurs, hein. Je suis désolée. Hein. Oh, mais ils sont tous les deux tristes. Oh, mon Dieu! Jenny Damon, mais c'est pas possible! Mais en fait, vous savez, comme j'avais oublié de mettre l'âge automatique chez les Sims des autres foyers, bah, je pense que tous ceux qui étaient d'un certain âge, du même âge, par exemple jeunes adultes et tout, bah, ils vont tous crever en même temps. Je pense que c'est à cause de ça. Allez, chou. Arrête avec ton téléphone. Tu connais personne, t'as pas d'amis, arrête de faire croire. Voilà, c'est bien! Imagine le pognon qu'on pourra se faire quand tu sauras faire des baignoires. Voilà, alors tu vas. Voilà, tu vas aller manger, tu vas regarder la télé pour te changer les idées. Des bons spaghettis! Ça va me donner envie. Oh! Avec mes croissants là, je les sens encore, hein. C'est une horreur. J'ai quand même de la volonté de pas y toucher, hein, parce que franchement. Une autre période de ma vie, je pense que je serais à peine rentrée chez moi, je me serais ruée dessus. J'ai même acheté les Kinder Country, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas acheté. Voilà. SOS ma life. Tu préfères la musique, mon petit? Oh, tu es mignon. On est déjà. Vous voyez, comme ça, là, on est le week-end, ben, j'ai des nouveaux objectifs avec Pulco, et ben, on se fait plus liège. C'est ça qui est bien. Tu peux lire un livre du coup? Ça, on commence à travailler ton aspiration aussi. Vu qu'il faut qu'il lise 3 livres! Et compétences niveau 3 en logique. Ça va être chiant. Mais bon. T'as de la volonté de te faire du mal surtout. Ouais, c'est ça. T'as pas d'amis, arrête de faire genre, c'est violent. Bah, il est comme moi, mais lui, il assume pas. Moi, j'assume. Mon téléphone ne sonne jamais. Sauf quand je reçois des notifications. Oh, parce que je suis sur YouTube et Twitch, sinon j'aurais rien du tout, hein. Allez, Hélène Boyer est morte aussi. Allez, c'est parti. Pourquoi t'es couché, toi, déjà? J'ai envie de te dire. Lève-toi. Ève, lève-toi. Tu vas te faire des paroles d'encouragement, là. Allez. Faut que tu te débarrasses de ton deuil, là, parce que c'est pas possible. Plus 3. Après, t'iras pleurer. C'est les fantômes. Les fantômes qui me parlent. Alors. Mais non, mais ça suffit! Quête du bois. Elle a pas. Elle est partie après son mari. Bon, bah voilà, c'est cool. T'as déjà lu un livre? Ouais. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va arrêter le délire là. Non, c'est comme ça. Tu vas être couché. Et encore un! L'hécatombe! Alexandra Bonnet! Ça va être l'horreur. Bon, c'est pas possible, quoi. J'ai travaillé dans une boulangerie. Imagine comment c'était dur de pas craquer. Oh!
Oh la vache, oui, comment tu faisais? Mais moi j'avais une copine quand j'étais jeune, son père était boulanger, donc elle vivait en fait dans la maison qui joutait la boulangerie. Elle habitait à côté de chez moi, donc j'allais souvent chez elle. Mais à chaque fois, elle me faisait rentrer, quand je venais, elle me faisait rentrer par l'arrière de la boutique en fait, et donc tu passais, t'avais tous les pains, les gâteaux, les machins. À chaque fois quand je venais, elle allait chercher genre un croissant ou un petit pain qu'elle me les ramenait, j'étais aux anges. Je n'osais pas le réclamer parce que. Mais putain, mes parents, ils auraient été boulangers, mais. Je serais archi fat, hein. Oh ouais, non, mais quel bonheur. T'imagines, tu y vas, tu te sers. Oh. C'est l'automne! Ça y est. Ça va être bien pour travailler. Ouais, bah, il est triste. Bah ouais, sa grand-mère. Tu sais quoi, tu vas prendre ta douche avant, puis tu iras manger, puis tu iras aux toilettes. Duit, duit. Il y a même un écran LCD et tout, puis regardez. On voit que c'est un Sims, oui. C'est débile. Qui, j'ai entendu. Ah ben c'est elle. C'est Clémence. Notre voisin-zin. Enfin, voisin-zizine, hein, mais. C'est la voisinza. Bon, t'as fait ton petit pipi, tu vas manger. Manger, manger. Arrête avec ton téléphone. Tu vas travailler encore, mon petit pulko, aujourd'hui. T'as pas fait tes devoirs d'ailleurs, mon chou? Bah, tu vas les faire tout de suite. Oh. Puis t'as encore un projet scolaire à faire. Oh, volcan, on s'en fiche. Excusez-moi, voilà, fallait que ça sorte. Hein. T'es tristoun, mon chou. Tu peux parler un peu politique avec lui. Apprendre la responsabilité. Oui, mais de toute façon, il le sera responsable parce qu'il n'y a aucun souci avec Pulco. Je me fais aucun souci là-dessus. D'ailleurs, il en est où de ces trucs? Alors, responsabilité, voilà, au top. Manière, pas trop. Contrôle les émotions un peu. Empathie et résolution de conflit. Bon, après, toi, tu vas pouvoir nettoyer ça, stop. Ah, mais non, mais... Fais tes devoirs, Pulco. Fais tes devoirs, c'est plus important. Il va les faire en 2-2. Oh non, encore un mort. Dia Tiriki. C'est pas possible. Arrête avec ton verre d'eau aussi, toi. Tu me casses les pieds. Hein. Tu vas les pisser. Et puis, tu vas te doucher. Ça t'apprendra à rester en pyjama toute la journée. Fais tes devoirs. C'est bien. Je vous jure, hein. Comment vont tes fantômes? Bah, toujours pas mort, malheureusement. Ok, devoir terminé! C'est très bien. Allez, tu vas commencer à construire. Oui, il fallait 1000 Sims flous quand même, hein. On commence. Ouah! Allez, ça m'a en pleine gueule. C'est parti pour la fusiologie. On va construire une fusette. Ça slouffe hein, aujourd'hui. Ça slouffe. Et je pense que finalement, on va pas s'arrêter au dimanche, là, hein, ce que j'avais dit. On va faire au moins le lundi. Et que je valide la carrière de Bordeaux. Il est toujours en excellent avec validé, donc logiquement, ça devrait être bon. On devrait être nickel, là, mes enfants. Oh là là, on va avoir fini la carrière politique, c'est trop cool. C'est trop cool parce que je l'ai jamais fait, en plus. Donc ils vont construire combien de fusées pour master la compétence? Eh ben j'en sais rien. Je pense que c'est avec une seule. Je pense que tu peux monter à 10 parce qu'après tu as toutes les améliorations à faire et tout. Donc c'est pas mal de taf, je pense. Parce que là, il faut faire toutes les améliorations, si je dis pas de bêtises. Construire une fusée avec toutes les améliorations et aller sur Sixam. Donc, je serai obligée de faire de max à max le max. Ça va être sympa cette histoire. Allez, mon petit! Attends, niveau 3 dans une compétence. Non, mais voilà, il va avoir un A de moyenne. Hein, il va être. Alors, autant Bordeaux, il avait le charisme de taré. Ah, j'ai oublié de te faire ton truc.
Ton réseau social, toi mon petit. Partage une photo. C'est vrai, parce que bon. Et puis. Consulter. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Ouais, bref, voilà. Ça pleut! Quelle photo adorable! Tout le monde adore! Bordeaux a obtenu 15 abonnés, désormais 340 abonnés. Eh bien. Pour un président, tu pourrais faire mieux quand même, hein. Futur président, excusez-moi. Et tu vas mettre à jour ton statut. C'est très bien. Après, t'iras te toucher. T'iras te donner des paroles d'encouragement. Mais oui, mais c'est l'hécatombe là dans le monde du Not So Berry, c'est une horreur. Et toi aussi, t'es tristoun, bah ouais. Comme ça. T'as des traits de terrain particuliers? Non, j'ai rien mis du tout. C'est cool, je crois que j'ai jamais vu Sixsam en jeu, j'ai hâte. Je n'y suis jamais allée, hop, mais genre jamais, de toutes mes parties, je n'ai jamais été sur Sixsam. Donc ce sera la toute première fois que je vais y aller avec le Not So Berry, quoi. J'ai jamais pris le temps, je me suis jamais intéressée et tout. Avec les aliens, j'ai jamais joué, on va dire, en plus, vraiment. Je trouve que leurs pouvoirs sont étant tellement limités, c'est un peu comme les sirènes, du coup, au niveau gameplay, c'est pas très intéressant. Donc oui, effectivement, j'ai jamais été sur Sixsam non plus. Ah, alors il va se laver, mais il va faire notre petit Bordeaux. Je lui ai demandé d'aller se doucher, en fait il va dans la piscine. Bah au moins, on l'aura pas construite pour rien. Quel beau gosse. Ah oh, mon Dieu! Il nage dans le sol, dans le parquet. Il avait tellement d'élan qu'il est parti dans le mur. Regardez! Oh il est magique cet homme. Il est magique. Bon, bah voilà. Tu construis beaucoup, hein? Construire 1000 Simflouz, ouais. Ah, niveau 2 de la fuséologie. C'est bien. N'empêche, on avance vite, hein? Déjà 17h le dimanche. Quand on a des objectifs, ça passe plus vite, hein? C'est grave beau, Sixsam. Et il me semble, hein, qu'il y a pas mal. C'est assez joli. Tu vas devoir faire quoi sur Sixsam? Bah, rien de spé, il doit juste y aller. Attendez. Aller sur Sixsam, je n'ai. Pas de. Oh punaise, la génération d'après, je viens de voir. Avoir trois échecs amoureux avant de se marier. Se marier avec un sim, c'est ayant le trait de caractère propre. Oh, mais c'est méga rare ça, non? Propre? Mais non, c'est pas propre, c'est soigné. C'est quoi cette vieille traduction C'est pas monsieur propre, ça doit être soigné. Bon, bah. Va être sympa. Mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Ce sera les enfants de Pulco, donc on a le temps. C'est Brodo. Sacré Brodo. Oh non, j'ai vu le téléphone. J'ai cru voir le téléphone qui sonnait. Ça va mieux, toi? T'as le sourire? C'est bien, mon bichon. Allez, tu vas faire à manger? Tu vas faire à manger. Servir le dîner. Allez, haricots saucisses pour un petit concert de petits proutes là, ça va être bien. À l'occasion, vous pourrez prouter ensemble, père et fils. Bon, tu finis quand ta fusée là? Ah, si! Ça a monté un petit peu. C'est pas mal. Bon, je sais, hein, mais j'attends. Là, on est à la moitié, on n'aura pas le temps de finir, je pense. Parce que là, il va falloir qu'il s'occupe de lui aussi. Et sinon, t'as fait quoi, Pulco, ce week-end? Ah bah alors, j'ai couru, j'ai créé des pots de fleurs, des tabourets, et j'ai créé une. J'ai commencé à bosser sur ma fusée, ouais. Logique. Mais je pense qu'il doit aussi améliorer son bricolage, non? Ah non, c'est complètement à part. D'accord. Très bien. Il se déchaîne maintenant qu'il a une piscine à sa taille, c'est ça. Un concours de foot. J'ai mangé une soupe à l'oignon. Ah alors, moi qui aime déjà pas les oignons. Jamais tu me feras manger une soupe à l'oignon. Tu t'ennuies! Il s'ennuie, regardez le beau gosse. Alors, tu vas ranger ça. Tu peux aller aux toilettes, hein. Et voilà, il a pété. Ah! Je l'ai passé en accéléré en plus, je pensais pas qu'il allait péter maintenant à ce moment-là. Allez. C'est bien, Pulco, tu t'en sors. Bon, ça y est, il commence à être tard. Mais il n'est pas très fatigué, donc on peut encore travailler. Hein.
contre, ça me fait rire que ça monte en hauteur alors qu'il travaille à un seul et même endroit. Oui, allez, encore un petit peu. Oh. Il y a eu un petit décalage. Bon, il en a marre. Allez. Allez, va aux toilettes et va manger. Tu vas manger quoi? Ah, il va manger des spaghettis. Donc, ce sera pas encore maintenant le petit concours de prout. Non, non, non! Répare pas! Répare pas! On a un garçon qui va le faire. Bah écoutez, on est prêt ou pas? Parce que là, ça va être validation, hein. Tu vas pouvoir aller. Bon, tu vas pleurer. Elle va pleurer. Va pleurer, tu m'énerves. Je pense qu'il va être très souvent en train de pleurer pour les jours qui viennent. Hein, parce que si tout le monde meurt en même temps. Voilà. Tu vas te donner des paroles d'encouragement. Oh non, dormir. Petit pulco! Ah, maman! Tant que maman n'est pas morte, tout va bien. J'ai entendu dire qu'il y a une super fête à la boîte de nuit. Ouais, mais non, on est dimanche soir. Nous, on va à l'école demain. Eh bien. Waouh, ça va mieux. Il est joueur. Qu'est-ce que tu regardes? C'est bachelor ou quoi? Bachelorette? Un petit peu, ouais. Tu regardes la télé-réalité, toi. La télé-réalité. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit. Tu regardes la télé. Ouais, je sais pas. Allez, va dormir après. Et lui. Ça y est. Espérant que plus personne ne meure dans la nuit. Et nous sommes là. J'enregistre. Salut, Elodie. Oui, quand même un petit peu, oui. Bah écoute, là on vient de finir le week-end. Logiquement, nous avons notre petit Bordeaux qui va valider. Et on va arriver au niveau 10, normalement. Et puis on a commencé à travailler avec Pulco intensément. Regarde, il commence déjà à construire sa fusée. Il a commencé aussi à faire du bricolage. Et voilà, c'est pas mal. On avance, tout doucement, mais on avance. Que au moins je valide la carrière pour Bordeaux et puis je serai bien quoi. Et c'est juste une hécatombe parce que t'as tout le monde qui est en train de mourir dans les connaissances. Du coup, ben, ils sont tout le temps plus tristes là, les deux. C'est une horreur. C'est soigné car les Sims qui ont un trait de caractère n'aiment pas la saleté. D'accord, ouais, c'est soigné, hein, c'est pas propre. Hein. Bah d'accord. Ben, on va commencer quand il se fera des amis, Pulco. Aujourd'hui, il va se faire des amis, par exemple, on va faire ça le lundi. Le lundi et le jeudi, je vais faire des amis et pas travailler à l'école. Et on va essayer d'avoir des connaissances qui soient avec le très soigné, quoi. Il passe de triste à joueur. Oui, ça arrive. Bravo Bordeaux, mais oui! Donc là, c'est bientôt, là, à 7 h du matin, je vais tout savoir. Si, parce que ça peut très bien baisser d'un coup, donc. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là! Mais non! Allez! Oh, ils se lèvent tous. Oh, ils se lèvent tous les deux en même temps. Regardez, ils ont la même animation. Attention. Il va pas être triste longtemps. Leader national. Bordeaux est président. Ça y est. On va faire travailler avec lui, puis on s'arrêtera après. Il a été donc promu leader national. Ti-ti-ti-ti. Niveau 10 validé. Yes. Ça, c'est cool. Il gagnera désormais 109 simflouz de plus par heure, soit 340 simflouz de l'heure au total. Il a également reçu en bonus 5548 simflouz et le chic imposant. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Et ben voilà. Se faire des amis dans le quartier des arts. Eh ben, on y retournera pour le fun, mais voilà, on est à niveau 10 sur 10 de la sim politique. C'est magnifique. C'est clairement magnifique. Et lui, il pleure. Allez, Pulco, ton père, il est président, ça y est. Tu devrais être fier. Tu te retires à manger. Toujours pas les proutes. Avec le truc Moschino. Au moins, il servira, ce truc Moschino. Tu vois, je suis contente. J'ai pas mis 10 balles pour rien dans un kit. Alors, du coup. Eh bien, taquiner de manière malicieuse. Bah non, il a pas le temps de parler. Il va aller en cours. Mais surtout, tu dois pas faire de la malice, c'est vrai que j'ai oublié.
Allez, mon petit! Toi, tu vas te faire des amis aujourd'hui! Sois pas trop triste! Bravo, Bordeaux! Mais oui! Ripé mes oreilles! Désolé, Quentin! Merci, tout le monde! Vive el presidente! Je viens de finir ma tarte à la courge. Ça va être pas mal, ça! Je suis prête à dîner! Sauvegarde bien ta partie! Allez, on va la re Ouais, mais je l'ai sauvegardée juste avant, mais moi, c'est sûr que je sauve les meubles. Allez, va en cours, va te faire des amaches. Non, c'est bon. Va te faire des amaches. Alors, attention, se faire des amis. Et trouve une jolie fille qui a le trait soigné, s'il te plaise. Et lui, il est parti. Alors, tu peux mettre un statut, tu peux mettre sur ton réseau social. Voilà, maintenant je suis le maître du monde. Saignez, tous comme vous êtes. Tu vas partager une photo de toi. Comme ça, comme Napoléon ou les présidents. 25 abonnés! Bah pour un président, c'est quand même pas terrible, hein, on va pas se cacher. Eh, tu vas épicer! 400 abonnés! Bravo, Bordeaux! Je suis fière de toi. Et on va aller au quartier des arts, Poileau d'art. Faire un discours dans le quartier. Ah ouais, on doit aller dans le temps, c'est un peu les temps de chargement. C'est pas grave s'il a cassé, on va. C'est Pulco qui réparera. Cette fois-ci. Mais te lave pas les mains, on s'en fout qu'on est politique, on a forcément les mains sales. Voyons. Salut Céline! Tu Bah écoute Céline, t'arrives un peu tard, mais on vient de valider la carrière niveau 10 de Bordeaux. Ça y est, il est président of the United Sims. It's sure now, you know, because it is a star. He is the boss. He is the boss. Ça va, petit doudou? T'as trop chaud? Je vous avais pas encore emmerdé avec mes chats. Petit temps de charge, main. Et après, de toute façon, Bordeaux, je l'enverrai toujours travailler. Je ne le gérerai plus, puisque faut que j'attende maintenant qu'il soit vieux pour le marier. Donc entre-temps, eh bien, ça sera accessoire. Et maintenant, je focus sur Pulco Citron. Alors, il faut faire quoi? Se faire des amis dans le quartier des arts. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Théo Gothique, qu'on connaît déjà. Allez. Par contre, il a pas l'air beau du tout. Mais c'est pas grave, on va discuter avec lui et puis voilà, on va demander conseil. Regarde, en plus, il a mis son beau costard là, Bordeaux. Il ne peut que cartonner. Regardez-moi ça. Oh, arrête le mélodrame là. Je vais t'appeler Patrick maintenant. On se demande pas pourquoi. Patrick Balkany? Oh la vache! Le mec, le mini short, tout effiloché sur des cuisses très très musclées, ça fait un peu bizarre, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas de souci. Ah! Il s'est barré! Mais non! Mais reviens! Allez, viens. Appelle-le. Théo fait déjà autre chose. Ah, mais ça coince les burnes! C'est qui celle-ci? Sophie Molleton. Vous avez pas, y a pas quelqu'un que tu connais déjà un peu? Qu'il faut juste creuser pour qu'il soit un ami? Elle, allez, vas-y, elle. Anna Debras. C'est la femme de. Voilà. Et elle est belle en plus, hein, attention, hein, il n'a pas des goûts de merde, hein, Jean-Baptiste deux bras deux jambes. Et une tête. Elle est belle gosse, hein. Oula, oula, oula! Le jeu, s'il te plaît. Ah, d'accord, parce que maintenant qu'il est président, il ne se déplace plus, c'est les gens qui se déplacent à lui. Un peu comme Chuck Norris, vous voyez. Il lui met la journée. Complimenté. Parler du temps nuageux. Je vais essayer de pas la draguer. Enfin, il va essayer de pas la draguer. Moi, je drague personne, moi. Dit-elle. Ça y est, c'est une amie. Ah, on est tranquille là. Faire un discours. Ok. Allez. On va se barrer après, hein. On va aller au quartier chic. Et toi, tu t'es fait des amis ou pas du tout là en fait? Parce que comme il est triste, il est chiant. Fais un minimum. Je sais pas si ça. Il s'est pas fait d'amis. Ah si, il a rencontré Emma! Oh. Fais-toi des amis, mon petit.
Le jeu, s'il te plaît. Allez, on va où du coup? Là, je sais déjà plus. Le quartier chic. Direction le quartier chic. Tout seul. On a besoin de personne en Harley Davidson. J'ai vu chez les clercs de Sims 4 avec tous les packs à 40 euros. La vache! C'est bien ça, quartier chic. C'est ça. Voilà, salle de sport. Non, on va aller là. On va aller au bar à cocktail. Alors, c'est où? Faire un discours. Ah oui, c'est vrai! C'est ici. Et puis, on va encore inspirer absolument personne, mais c'est pas grave. Faire un discours, donc juste faire un discours. D'expert. Avec mon petit Bordeaux. Nous allons voir. Salut! T'a tapé dans le. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Une femme toute verte! Allez! Oh! Il y a quelqu'un d'assis! Ah bah ça y est, elle nous a vu arriver, elle s'est barrée. Je crois que Bordeaux, il a pas la côte. Hein. Ah mon président, je suis tellement fière de toi. Regardez, il est heureux. Tu es beau. C'est notre projet! En simili, ça fait Ishkaneshmou! Madame? Madame, vous voulez bien venir à mon discours, s'il vous plaît? Pas au discours de Bordeaux. Steve, Steve, morgue à gauche. Je suis fière de toi, mon Bordeaux. Oui, nous avons encore gagné des sous parce que nous avons gagné absolument personne, bien sûr, sur voilà. Bon, on a le temps avant que Pulco rentre. Donc Pulco Citron, hein, bien sûr. Lire le panneau, lire le panneau. Il y a des choses à faire. Suis pas sûre. Tac, tac. Elle est où? Il est là. Alors, je voulais que tu chantes. Tu vas venir. Et tu vas chanter. Oh, bonjour madame, Audrey Garnier. Et bonjour madame, Lisa Chan. Ouais, elle, on va pas lui faire connaissance parce que c'est pour qu'elle meure. Chantons solo du rock. Plus chaud que jamais. Hotter than never. Oh yes. Ce look, franchement, là, on est sur du grand art. Du très très grand art. Des PNJ. Attendez, je vais mettre juste. Ah, comme ça. Une magnifique photo de ce PNJ superbe. Moi, je suis époustouflette. Donc, c'est quand tu veux. Qu'il revienne, il faut qu'il monte. Hein. Ça y est. Allez, maintenant il va chanter. Yeah! Ça, j'aime bien cette chanson-là en plus. Chou! 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 Manger des prunes, c'est bon pour les caisses de l'État. Oui, les kits sont à 10 euros, les packs à 20 et les extensions à 40. Via Origin, hein. Via Instant Gaming, c'est beaucoup moins cher. Choup! On s'occupe comme on peut, hein. Bon, il est pas très bon en chant, je vous l'accorde. Chou, matana schneppen. Chou, tout, 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 tout. Bravo. Allez, on va rentrer à la maison parce que Pulco est rentré. Donc voilà. On s'en fout. Nous, on y va. On a enjaillé autant de monde dans notre discours que notre chant. C'est magnifique. Nous avons des factures de 3000 Simflouz. Tu vas donc les payer immédiatement tout de suite.
Et petit Pulco, Pulco Citron. C'est bien, je vais le laisser, il fait sa gym. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu ton slip? Ah! Tel père, tel fils, hein, il va aussi dans le parquet, c'est magnifique. Merci Angoudémonia pour le follow. On t'arrête maintenant? En étant d'humeur triste, ok. Allez, tu sors de là, tu vas manger un truc, tu vas faire tes devoirs. Quand même. Les études, c'est important. T'as fait connaissance de qui, du coup? Seulement de la fille là? Ah non, il y a eu Maxime avec. Bon, Maxime, ça va pas nous apporter d'enfants, hein. Elle, à la limite, Emma Garcia n'a pas l'air trop dégueu. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de me faire des foyers avec des jolies petites adolescentes qui ont le trait. Ah mais ben non, on s'en fout. C'est la génération d'après. Donc jolie adolescente tout court. Voilà. Ce sera bien. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait ses devoirs au bord de la piscine. C'est logique. Regardez, maintenant Bordeaux, il se rend compte qu'avoir un fils, finalement, c'est pas mal. Et il essaie de créer des liens avec lui. Bon, par contre, Bordeaux, ne harcèle pas ton garçon. Hein? Fais tes trucs à toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, non, répare pas du tout. Oh là là, mon petit. Ne répare rien, tu vas aller nager. Voilà. Tu vas nager, c'est bien, il fait beau encore. Parce que c'est lui après. Je vais faire. Je vais le faire réparer après. Nage, 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 nage. Nager ici. Ouais, nage. Bah, nage en étant d'humeur triste, alors je sais pas. Mon pulco. Manger après. Je pensais que j'avais déjà fait bouffer, mais en fait, pas du tout. Ah non, j'ajoute personne sur la galerie, Céline, désolée. Enfin, sur Origine, j'ajoute personne parce qu'après, j'ai toujours les notifications en bas et ça me stresse beaucoup. Je viens de rigoler grâce à Shirley, sa communauté. T'es trop mignonne. Oups. Il nage d'une rapidité incroyable. Avec ce slip. Le slip de l'angoisse, quoi. Il est magnifique, ce slibard. Bon, tu... Non, mais... Oui, alors, vas-y. Et après, t'iras réparer les toilettes. Que tu sois utile. Vu qu'il faut améliorer sa compétence bricolage, au moins, c'est pas mal. Et l'autre, il a fait encore à bouffer? T'as fait des burgers? Oh. Des burgers VG. Oh, si bien. On pense à ta mère, comme ça. Voilà, il a déjà... Mais il est magnifique, ce garçon. Et tu vas me réparer ça aussi, s'il te plaît. En slip. En slip! La réparation au slibard. Oh, tu es mignonne, Céline, merci beaucoup. Pardon. Marina Blanc a été adoptée. Gabriel Blanc a été adoptée. Heidi, oh, tu minou. Trois pièces d'amélioration. Qu'est-ce que j'ai découvert là? Un truc que je savais pas. Des pièces de robot. On peut récupérer des pièces comme ça. D'accord. Ah, oh, encore quelqu'un de mort. Oh, punaise, Elodie Blanc. Ah, c'est pour ça que les gamins, ils ont été adoptés. Oh là 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 là, c'est pas possible. Bah écoute, toi, t'es encore en forme, t'as fait tes devoirs. Est-ce que tu peux faire des devoirs supplémentaires? Oui, bah tu vas les faire. Tu vas faire tes devoirs, ils sont tous en slip, tout va bien. La famille en slip, hein, Pepper était toujours en sous-vêtements, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Enfin, lui, il est en short, et lui, il est en slip. Fais ses devoirs, c'est bien. Tu travailles bien. 21 h. Est-ce que tu peux me faire un petit bricolage après, derrière? Une sculpture en jouet, allez, vas-y. Fais pas les nanars, toi! Jette! C'est bien, c'est bien, c'est bien. Toi, tu peux aller voilà, prendre ta douche. Aider à faire et devoir. Non, mais c'est bon, c'est. Tu iras te coucher après. Petit Bordeaux.
Deviendrai grand. Bon, allez, va faire ton truc. Triste. C'est chiant, ça s'arrête quand? C'est bon, dans 40 minutes, on est tranquille. Et après, il ira se coucher. Et après, on sera tranquille. On aura grave avancé aujourd'hui, en fait, c'est trop bien. Est-ce que Pulco va aller à l'université? Alors, il le dit justement, j'en parlais tout à l'heure. Je vais faire un sondage, je pense, pour les abonnés, en fait, pour savoir si vous voulez que j'aille à l'université avec Pulco. Parce que lui doit avoir sa carrière astronaute niveau 10, hein, c'est obligatoire. Sauf que est-ce qu'on passe par la voie classique ou est-ce qu'on fait passer partir à l'université en ayant le droit et le fait qu'il puisse avoir un niveau très élevé déjà dès le départ. Mais bon, ils vont en sortir, il aura 40 ans, quoi. C'est un peu abusé, mais c'est. Il grandit dans 8 jours. Donc il y a moyen que bientôt je le fasse postuler. Peut-être qu'il aura un truc de prestige, j'espère, pour que je sache comment ça se passe, mais. Voilà, et puis il va se coucher. Ok! C'est très bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc je vais dire au revoir à tout le monde sur YouTube, des gros bisous à vous, merci d'avoir suivi pour ce petit rediff. Des bisous.